Salut à tous, c'est Chérika, j'espère que tu vas bien, en tout cas moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty Modern Warfare remasterisé. Donc on se fait le petit mode histoire qui fait plaisir. Alors j'espère que ça va te faire plaisir. En tout cas moi je prends vraiment du bah je vais prendre vraiment du plaisir. Ça change un petit peu, tu vois, Call of Duty par rapport aux anciens jeux, bah aux jeux que j'ai fait juste avant, etc. Tu vois. Par contre, leur petit truc, c'est un petit peu long, tu vois, leur petit parcours en voiture là. Alors, il n'y avait pas la place pour passer là avec la voiture, mais les cartons et tout, tu vois, ils bougent pas du tout. Ils veulent pas me laisser partir, hein? Non, mais oh. Bon, quand tu veux. J'ai pas envie de voir non plus toute ta ville, ça me saoule. Quand tu veux, dépêche-toi, accélère, trou de balle. Non mais t'as jamais regardé Grand Chevet Auto 5 toi ou quoi? Appuie à fond, on n'est pas dans la ville, on s'en fout de rouler à 50. Alors pour le petit moment, le petit coup du let's play, je t'explique. Depuis Modern Warfare, depuis World War 2, en fait c'est le seul Call of Duty où j'ai fait le mode histoire. Infinite Warfare, j'ai fait que le mode en ligne. Tous les autres Call of Duty, en fait j'ai fait que les modes en ligne, j'ai pas fait les modes histoire. Donc tu vois, pour moi c'est un... On va dire que c'est assez nouveau, tu vois, de faire tout ça. Tout cas, la petite cinématique, elle fait quand même son petit effet, tu vois. Tu sais où est-ce que t'arrives, hein? Tu vas partir en couille. J'ai l'impression que Gigi va s'en prendre plusieurs dans la gueule avant d'arriver à faire la mission. Les Américains se chargent d'Al-Assad. Et on ne peut plus rien pour Al-Fulani. Mais dans moins de 3 heures, nom de code Nikolaï sera exécuté en Russie. Nikolaï. Nikolaï est notre informateur chez les ultranationalistes. Il a fourni les renseignements sur l'opération du cargo. Nikolaï est grillé à présent. On doit le sortir de là. On s'occupe de nos amis. On y va. «
Les loyalistes nous attendent à 500 mètres au nord. En avant. Très bien, très bien. Des loyalistes, hein? Et eux, c'est les bons russes ou les mauvais? Eh bien, ils ne nous tireront pas dessus à vue, si c'est ce qui vous intéresse. C'est déjà beaucoup, merci. Feu à volonté. Ennemi abattu! Je me souviens plus de cette mission. Enfin, c'est pas grave. Bon boulot. Il doit rester quelques gardes là-haut. Kamarov et ses hommes nous attendent dans un champ au nord-ouest. Alors, faut pas faire trop de bruit. Faut pas se faire repérer. En même temps, je suis en seconde classe, donc ça devrait le faire, je pense. Saute, place des clés morts devant la porte et attire-les. Il y en avait qu'un dedans. Un de moins. Et merde. Ils sont où, eux? Mais eux, ils se font la mal, ils disent pas faut avancer, etc. Tu vois, c'est... Tu te démerdes. Ça, gaz. Kamarov. Bienvenue dans la Nouvelle-Russie, Capitaine Price. Quelle est la cible, Kamarov? On a un informateur à récupérer. Les ultranationalistes ont des BM-21 de l'autre côté de la colline. Leurs roquettes ont tué des centaines de civils dans la vallée. Pas si vite. Beyrouth, ça vous rappelle rien? Vous venez avec nous. Je vous suis redevable, je suppose. Et pas qu'un peu! Alors là, on fait équipe avec les Russes. Ici, votre sniper pourra bien couvrir mes hommes d'ici. Comment ça, le sniper? Groupe de snipers en position. Gaz, couvre le flanc gauche. Compris. Sortez votre fusil de précision. Attendez, équipez. Lancez l'attaque. Contact au nord-ouest. Soap, élimine les mitrailleurs aux fenêtres pour que les hommes de Kamarov puissent entrer. Descends les mitrailleurs aux fenêtres, à 10 heures en bas. Ouais, je les vois pas. Sauf, nettoie-moi ces mitrailleuses, à 10 heures en bas. Ah ouais, c'est bon. Attaquez l'autre mitrailleur à travers le mur. Merde! Des hélicoptères ennemis! Vous n'aviez pas dit qu'il y aurait des hélicos, Kamarov!
Je n'ai pas non plus dit qu'il n'y en aurait pas. On doit couvrir mes hommes de ces hélicoptères. Par ici. Maniez-vous, Kamarov. Je veux cet informateur. Inutile de vous inquiéter. On éliminera les BM-21 et on ouvrira le chemin jusqu'à votre informateur, Capitaine Price. Oh là, ça pue. Oh là, ça pue. Oh là, ça pue. Ça sent pas bon pour moi. Ah, et puis moi, je pars dans le tas là. J'ai trop habitué à jouer en multi. Toi, je t'ai mis une tête, t'es pas mort. Oh. Moi, je pars. Hein. C'est temps. Capitaine Price, mes hommes rencontrent une forte résistance. Appuyez-les depuis les falaises. Et notre informateur, il a plus beaucoup de temps. Alors aidez-nous. Plus mes hommes avanceront dans ce village, plus on se rapproche de votre informateur. J'avais vu un... C'est pas grave. Je suis mal placé. Bien. On avance. Suivez-moi à la centrale. Je te suis, vas-y. On avance encore. Qu'est-ce qu'il veut me faire faire, lui ? A déjà commencé. Avec... Ça suffit! Où est l'informateur? La maison nord-est du village! Ça s'est bien passé, non? Allez, va t'asseoir au coin. Sauf gaz! On doit rejoindre cette maison avant qu'il n'arrive quelque chose à l'informateur. Allez! Allez, c'est parti!
Putain, il va pas crever lui. Au secours. Mais laisse-moi passer, enfoiré! Bon sang, en route! Il est peut-être encore en vie! Ah là 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 là, cette jeunesse! Gaz, fais le tour et coupe le courant! Les autres, tenez-vous prêts! Tête. Voilà, j'ai rien vu là, j'ai rien capté. Mais comment ça s'est passé? Mais remonte la mort. Non mais Albert Hugard à Hubbard, t'as vu le nom que tu m'as donné? En fait, même sans lunettes, c'est... Tu vois quoi. J'ai coupé le courant. On y va. Victor, électrique pour Pogaslo. Avec ces lunettes infrarouges, c'est trop facile. Ça c'est fait. C'est lui que j'avais pas vu. Enculé, va. Je vois rien. Oh là, j'ai pris cher. C'est lui. Nicolas, est-ce que ça va? Vous pouvez marcher? Oui. Je peux me battre. Merci d'être venu me sortir d'ici. Oiseau de nuit, ici Bravo 6, on a le colis. Rendez-vous sur la Z1, à vous. Bravo 6, ici Oiseau de nuit. On est en route, terminé. En avant, en avant! Oui, il se barre, il me laisse comme ça.
Allez, c'est bon. On a sauvé le colis. Les Américains ont lancé l'attaque contre Al-Assad ? Non, l'invasion débute dans quelques heures. Pourquoi ? Les Américains commettent une erreur. Ils ne prendront jamais Al-Assad vivant. Donc on a fini la première mission.